Oui, tout chaud, c'est. Ce qu'on a connu, nous, étant gosses, et puisque là, avec mes collègues, là, que bébé, tout chaud, on en parle souvent. Oh, c'était un coin magnifique. Et surtout là-bas, la pépinière là-bas. Alors, toi, on va y passer. Ouais. Ah, c'était plein de monde l'été quand il faisait mauvais temps, chez Jean. Avec chez Goss, avec ceux qui connaissaient, ils venaient passer leur après-midi. À l'abri du vent, il y avait du soleil. Il y avait des choses claquées de Dieu que le bassin avait venu. Sur le côté, tu avais du sable blanc. Chez Goss, ils étaient. Tout le monde y jouait. Chez Goss, ils jouaient. Puis ils se baignaient, t'es chez Chotre Dieu. Et alors, ah ouais. La baie, comme ça, qu'est-ce que ça t'a appris dans ta vie d'homme, toi? Bah, la baie, moi, dans ma vie d'homme, c'est. Ben, disons que c'était notre gagne-pain, hein. Ouais. Il n'y a pas. Hein. Bon, moi, j'allais voir le maire. La baie, je sortais par la baie, je rentrais dans la baie. Et puis, quand j'allais pas, j'ai trouvé des noms, chez les noms. Un chopette pas lourde, puis avant, un chopette vert, mais grand-main des noms. Voilà. Tu trouves que c'est une chance dans ta vie d'être né ici? Oh ben, c'est pas de chez que j'aurais pu être mieux ailleurs. Hein. Oh là, hein. Il y a des beaux coins tout partout, hein, faut le dire. Quand tu joues à la une, des mois, il y en a qui sauvaient un coin. À Tataouine, ou bien à chaque 1000, 10 000, 15 000 km d'Ichy. Ichy, je sais pas bien. Dans la baie de Somme, la vallée de la Somme, vallée de l'Oti. La Brelle, le Boulonnais, l'eau d'Aumois, le Nord, il est pas beau, le Nord? Ah, le Nord, il est très beau, hein? Je confirme. C'est parce qu'on n'a pas de soleil, mais il est aussi bien que dans le Sud. Hein. Mais ce qui nous manque, c'est le soleil. Et le soleil, bon, bah, on le fait avec ce qui vient, puis chez tout. Un jour il vient, un jour il n'y est point, bon, bah, c'est notre coin. Bon, on est habitué, puis chez tout. Hein. Tu t'identifies, toi, personnellement, à l'abbé? Ah ouais, bah oui, oui. La baie, c'est un peu toi, c'est un peu. Bah, LB, j'ai toujours été dedans, et même quand j'ai toi le mire, bon, ben, je travaille à travers de l'baie. Alors, hein. Après, on rentre au côtoi, tu rentres dans l'baie. J'ai toi cacheux. Bah, j'allais à lutte dans l'baie. Touché jeune du côtoi, puis nos ancêtres, tout chaud, ma père, ma grand-père, tout chaud, ça n'était que des gens de la baie, hein. Ouais, parce que j'ai parlé avec Totov, et quand je parle un petit peu avec Choubi, Jean-Claude, je me rends compte d'une chose, même quand je parle avec toi, avec d'autres, c'est que l'abbé, c'est vous, quoi. Ah bah l'abbé chez nous, hein, puis nous, puis ceux qui sont partis, oui. Et puis espérons ceux qui sont derrière nous. Hein, chez l'eau qui viennent après, chez jeunes, qui bien sûr chez Génération, puis chez Génération qui veut travailler, qui veut se mettre en route, espérons qu'il y ait autant que moi que j'y étais. Hein. J'ai 68 ans. J'ai chauffé 68 ans, t'as retiré mais toi une douzaine d'aînés, même avant j'ai loué d'Albé, hein, mais bon, mais je veux dire, quand j'ai commencé à travailler d'Albé, j'en fais quand même 54 ans. Ben, je ne sais pas si j'ai une génération, Astur, qui se diront pendant 54 ans travailler d'Albé. Et je voudrais bien. Mais l'Albé, comme on l'a connu, puis comme elle est devenue, il y a, disons, chien pour chien de différence. Hein. Ouais. Ah ouais, chien pour chien, hein. Déjà, ben, l'eau, j'ai plus du sable, des herbes, de la vache, ben, l'eau, j'ai plus que des herbes, des sillus, ouais, des sillus tout partout. C'est quoi des sillus? Des sureaux. Des sureaux. Des machins, des osiers, enfin, tout bois blanc, peuplier, toujours, ben. Alors, avant que j'ai plus du sable et puis de la vase, là. Ah ouais, j'ai plus le bassin. Maintenant, j'ai plus le bassin et l'eau. Enfin, ce qui reste, c'est le bassin. Eh ouais, hein. Tout ce qu'on a connu, puis ce que c'est devenu. Ben, le dernier coup, j'étais à l'eau d'Ac Pascal, le ch'tut est de l'autre côté. J'ai tout du sable jusqu'au ch'tut. L'eau, j'ai du gazon. Sur combien 250 mètres, 300 mètres, j'ai du gazon. Alors qu'avant, c'était du sable. Ouais, ils nous ont foutu nos bains à l'air en faisant des travaux comme ça. Ben, il fallait peut-être faire des travaux, mais il fallait quand même passer autrement qu'ils ont passé. Il n'y a pas eu de concertation? Bah ben non, ouais. Ben, je sais pas, mais on nous dit la baie a son sable. Ben, le baie a son sable, d'accord? Ça fait des siècles qu'a son sable, le baie. Hein? Quand Guillaume le Conquérant il est venu à Saint-Valery, le côtoi, chez toi, qu'un bord de sable, chez toi, qu'une dune, il y avait peut-être deux baraques mètres dessus, enfin, il n'y avait presque rien, hein, en 1066. Oui. Hein? Alors, Berster, est-ce que chez
Plus tout à l'heure, à Saint-Sablois, mais ce qu'il y a eu, c'est quand ils ont fait des travaux, surtout ici, hein, c'est pas mis. On curige bassin, on n'a pas trouvé mieux qu'un voyer directement dans le baie. Alors, le baie à Saint-Sable, les jours, pareil, elle-même. Puis on a foutu tout chez Voise de Jbassan, ils ont mis dans le baie, tout a été bouché, le haut de baie. Touché haut de baie. Quand tu vois qu'on respecte pas la baie comme ça, t'as l'impression que. Ah, bah oui, ça réveille. Ils viennent pas nous faire des leçons, hein, les bien-pensants, comme on dit. Hein. Et nous, on vit ici, nous. Nous, on vit ici, on sait comment ça se passe. On voit comment avec ce courant qui passe, comment il joue. Mais on voit que notre baie, touché bien-pensant, eh ben, ils nous l'ont foutu à l'air. Parce que à Saint-Sablois, déjà, il y a le même. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a bouché, on a détourné chez Rivière. Chez Rivière qui faisait un nettoyage naturel. On les a détournés. Il y a plein de rivières qui coulent dans le baie. Bon, j'ai coupé au long de chez le digue avant. Tous chez yeux de Favier, tout il venait couler là. Chez yeux de rue, il coulait là-bas. Et ça coule toujours. Mais il n'y a plus d'eau qui monte dans chez Rivière. Il n'y a plus un verre d'eau qui monte. Avant, les grosses marées, et le maire a monté jusque rue, sur 10 km. Dans chez Fossé. Alors un peu dans chez Fossé, pareil, parce que chez Fossé, chez toi. C'est des collecteurs d'eau de chez Caen, quand il pleuvait. Après, ça s'en allait d'un plus gros fossé, un gros collecteur, et puis hop, directement chez le rivière. Puis tout est venu couler devant Chepour. L'accusé de Favier, tous ses yeux de Favier, il venait couler là au long de la digue. Et puis ça passe au cours au bout de l'estacade. Il n'y a plus rien. T'as vu le Dien? Le Dien, ouais, ils ont trouvé. Combien de temps, 30 ans après, qu'il fallait le lécher. Ah, alors, il fallait le lécher. Mais avant, j'ai trouvé du sable, il a fallu retailler dans le sable qu'ils ont mis à Cache-Remblay, qu'ils ont remblayé là-bas. Il a fallu refaire une tranchée dedans. Puis cocher, une coup de mi, puis c'est fini, chaud. C'est inimaginable le boulot qu'ils ont fait ici. Oui, je te dis franchement, j'aurais pu y être ingénieur aussi. Hein, pour faire ces travaux qu'ils nous ont foués. Bah oui. Et la baie, ça t'a appris le courage? Bah ouais, parce que le baie, quand j'ai tué gosse avec mes parents, l'hiver, ma père il était matelot, mais l'hiver chez Tchoubatou, il n'allait pas le maire. Grand main de monde, il faisait ce métier des noms. Quand il jouait vraiment fort, comme il y a eu des hivers après la guerre, tout chaud, je ne me rappelle pas, mais quand ils entendaient parler, l'hiver 47-48, il y a eu des hivers, on ne pouvait pas travailler. Hein. Il fallait manger quand même, si tu pouvais pas aller travailler. Mais ce qu'il y avait, je sais qu'au mois d'octobre, novembre, chez Jazz, étaient très prévoyants. Et puis, on n'était pas difficile comme master. Hein. Pomme des terres rintrées, carbon rintré, des rins de salé, du beurre salé. Ils pouvaient venir de l'hiver. On avait à manger. Une fois que tu avais été doux, nettoie chèque, chez les messieurs, ils étaient tout chaud. Et bien, on avait. Sept chiens, un kilo de pomme d'été et de retrait, 2-3 tonnes de carbone. Bon, après, ils pouvaient venir de l'hiver. Hein. Une cruche d'airain salé, une cruche de beurre salé, et ça y est, oui, après, il y a moins joué. Hein. S'ils pouvaient pas travailler dans le bec, il faisait trop froid. Enfin, ça, c'est pas qu'il faisait trop froid, parce que quand il faisait froid, on y était. Mais si tu pouvais pas retrait ta température de sable, c'était tellement dur, c'était comme du béton. Donc, tu pouvais pas travailler. Bon, chez Jean, parce que c'était l'hiver quand même. Oui. Si tu travailles au point, tu ne manges au point. Mais comme on est chez Jean, c'est tout prévoyant. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour l'hiver chez toi rentré. On va aller à l'automne, tout est rentré dans chez maison. Carbon, pomme d'été, beurre. On va être chez Rhin au mois de novembre. Allez. Une cruche, ça n'est pas de chez famille, il y en a salé deux cruches, trois cruches. Et tout le monde, il en mangeait. Mais je ne pas des beefsteaks tous les jours.
Hey, yo.